believe you never judge someone. Nobody needs to tell you what is right or wrong. They don't need to tell you anything. Welcome to my world. Welcome to my world. If you can't say they all can't just do what they want. Whatever they believe, you never judge someone. Nobody needs to tell you what is right or wrong. They don't need to tell you anything. Welcome to my world. Et à tous, je suis Unmaster Kiwi et on se retrouve pour la suite de Saints Row 4. J'espère que les autres parties vous ont plu. Aujourd'hui, petite visite du vaisseau. Allez, on va voir un petit peu là où se trouvent les autres membres de l'équipage et visiter un peu cet endroit complètement métallique. Donc c'est parti. On descend par ici, on va voir un petit peu où sont les autres membres de l'équipage. Donc pour l'instant, il n'y a que Keith David, le vice-président des États-Unis, et Kinsey. Donc on peut le voir, il y a beaucoup de bordel ici. J'espère que le ménage va être fait. Allez, on avance vite fait. Ouh, joli appartement, hein, avec un joli billard. Un magnifique requin, hein, qui a été ramassé je ne sais pas où, mais les dents sont quand même bien jaunes. Alias le Z. Zimos. Petite dédicace à lui qui était dans Saints Row 3, qui était franchement formidable avec sa voix complètement déformée, avec son micro. Et là on retrouve Kinsey. Well, I could sit here and talk with you, or keep anything on this ship from exploding and killing us all. Your choice. On peut essayer de la séduire pour voir. Hey Kinsey, you wanna fuck? Énorme. Complètement merveilleux. Ça a été aussi rapide que ça. Ok, d'accord. Et maintenant, du coup, elle est tranquille. Elle n'est plus en train de réparer le vaisseau. Bon. On continue par ici, hein. On va visiter, là on retrouve Keith David en train de réfléchir à son avenir. T'inquiète pas mon pote, tu vas trouver quelqu'un. Tu vas pas rester tout seul longtemps. Et là on entre dans la salle de la simulation, un peu à la Matrice, donc ça ressemble beaucoup au Nabucodonosor dans le film. Énormément je dirais. Ça fait plaisir. Par contre, faut passer au modem nouvelle génération, hein, parce que là... d'installation bien pourrave avec la radio complètement des années 80, mais bon c'est pas grave, on y va, ça fait plaisir. Et là il y a quoi, là la salle de pilotage qu'on a déjà vu je crois, avec la magnifique poupée gonflable. Et chérie, alors qu'est-ce qui se passe, tout va bien? Ah, je veux pâter, voilà. Alors rien à l'horizon, c'est bon, on peut y aller. Du coup, on retourne dans la simulation. Par contre, j'ai pas vu ici, c'est quoi? Non, c'est les fenêtres. Ok, d'accord. Il y a beaucoup de fenêtres, hein, dans ce vaisseau. C'est quand même bien fait. Très joli, très beau rendu. Ça me rappelle énormément aussi le principe du Normandie dans Mass Effect. J'avais fait le 1, mais pas le 2 ni le 3. J'ai trouvé un peu trop action. Et là, il y a un sac, il y a un punching ball.
Donc à mon avis, quand on va recruter du monde, ceci va devenir beaucoup plus dynamique. Allez, on retourne dans la simulation. C'est parti, retour dans la matrice. Par contre, je trouve plus le chemin, il y a Cave David, donc voilà, c'est là. Go, 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 simulation. Et on continue notre aventure, là où on s'est arrêté. Je propose de faire quelques activités avant, bien sûr, de récupérer l'histoire principale et de comprendre ce qui se passe. Déjà acheter quelques magasins, ça ferait beaucoup plaisir à mon portefeuille. Allez, on y va. On retourne dans la matrice. Et là, je vois un cluster. Go. Cluster. Le sou est là. Ouais. Bon, je vais en récupérer pas mal déjà pour commencer. Parce que non, mais oh, faut pas rigoler quoi. 90 sur 100, ça c'est bon. Ça c'est bon. Commencer, suppression de sécurité. Allez, c'est parti. Rejoins l'emplacement. Il est à 300 mètres. Poussez-vous. J'ai dit, pousse-toi, ok. Alors tu vas te pousser, tu vas me laisser passer. Merci. Yeah. Elle est où la cible? La cible. Cible multiple à l'horizon, nous l'avons découverte. Mitraillage de sa gueule. C'est des WC. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? On se bat contre des WC. Tiens, cabinet moisi. J'en ai marre de tirer la chasse d'eau. À chaque fois que je vais aux toilettes. Oula, 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 qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même des super pouvoirs. Hein. Faut pas déconner. Tiens, pouf, mauvaise cible, mauvaise cible. Désolé pour toi, pauvre flic, mais fallait pas être sur ma route. Yaon, tu m'as loupé, tu m'as loupé. Nanana, nanana. Bien. Ah, il m'a balancé une voiture dans la gueule. Ça se fait pas. Wouhou, combat avec des toilettes. En polystyrène. Nion. Tut. Ah putain, j'ai bientôt plus de vie. Ils sont quand même coriaces ces chiottes, hein. Donnez-moi votre vie. Voilà, comme ça je peux récupérer de la vie. Haha. Distributeur de vie. Où sont les chiottes? Où sont les chiottes? Tiens. Ah mais purée. Mais arrêtez, bordel. Oh là 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 là, mais il est en train de m'atomiser avec ses cabinets. Aïe, 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 aïe. Ouh, reprise de volée en l'air, ça fait mal par contre. On va essayer de récupérer de la vie. Ah mais, il me laisse pas le temps de tirer. Oh la vache. La vache, la vache, la vache, la vache. Voilà, j'ai besoin de vie. Désolé les gens. Fallait pas me faire chier. Où est le cabinet là? Où est le cabinet? Où il est dans les airs? Voilà, les chiottes sont mortes. Là-bas, les chiottes. Et on se casse parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Et je propose de rejoindre l'histoire principale. C'est parti. Quête. Le décret présidentiel élimine les troupes zines, enfreint les règles de la réalité et assassine le programme malveillant. Non. Enfreindre la loi. Allez, c'est parti. Prendre le contrôle d'un magasin. En fait, on n'a toujours pas passé le tutoriel, hein, mais bon, c'est pas grave. J'aime pas trop ce système de mission principale qui ne sont que finalement la présentation des différentes activités que l'on peut faire. Bon, je préfère les faire directement parce que j'ai un petit peu l'habitude de ces sensuaux. Donc allez, on y va, on avance. Super pouvoir. Et là, il y a une testicule géante. On se demande ce qu'elle fout là. Laissez-moi passer. Allez là, bougez vos fesses. Par contre, j'ai besoin de vie alors.
Hein? Voilà. Je fais le plein de petites croix. Donc ça, je peux plus l'utiliser, ok. Allez, plus vite. Ta-na-na. Par contre, je vais acheter les améliorations. Ah, on peut pas pour l'instant. Ah si. Amélioration, j'aimerais bien le sprint là. Capacité. Sprint limité. Endurance, augmentation. Accepté. Parce qu'on n'est pas des lopettes. Là on a quand même pas mal de coasters. On va pouvoir améliorer certaines choses. Notamment... récupère de la santé lorsque tu utilises les réflexes de ninja. Saut hauteur. Super saut. Super sprint. Course sur l'eau. Ah cool. Cool cool cool. On peut pas le faire pour l'instant. Oh dommage. Combien? 20. J'en ai 55. Niveau 6 requis. Et ça c'est quoi ça? Ouais. Course sur les murs. On va augmenter la vitesse. Hyper vitesse activée. Go. On va aller encore plus vite. J'aimerais bien aller courir sur l'eau aussi, ça a l'air sympa. Pour faire Jésus. Hop, et voilà. Ok, alors maintenant il va falloir détruire les ennemis. Ouh, la voiture de Gat. La voiture de Gat, je la prends. Et on va tout cramer. Que les flammes vous écrasent et vous détruisent, vous réduisent en cendres. Ouh, vous allez mourir, bande de flics. Attendez, je mets que la marche avant. Et voilà, la cigarette, ça tue. C'est pas bien de fumer, non mais oh, hein. Oh oh, on a un petit problème, les flics sont devenus des zines. Mais c'est pas grave, car eux aussi vont mourir dans les flammes. Dans les flammes éternelles qui vont les consommer et les rendre inoffensifs. Poussez-vous, j'arrive, strike. Bon ok, je crois qu'il n'y a qu'une seule solution. La téléportation. Au revoir messieurs, revenez dans plusieurs millénaires quand on aura débarrassé le monde des impies. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah mais je peux plus utiliser mon pouvoir de gel. C'est quoi ces conneries là? Bon déjà on récupère un peu de vie. On fait le ménage. Vous pouvez pas me tirer dessus, je suis plus rapide que Flash Gordon. Enfin Flash. Moi je l'appelle Flash Gordon mais son vrai nom c'est Flash. Par contre, j'aimerais bien utiliser le... Ah, on peut pas, c'est fait exprès, d'accord. Parce que c'est plus facile quand tu utilises le gel sur eux. Allez, refroidis, refroidis, refroidis. Putain, mais ils sont nombreux, là. C'est pas croyable. De la vie. Voilà. Beaucoup plus simple comme ça. Beaucoup plus rapide. Et un petit cluster sur la route, ça fait toujours pas de mal. Wouhou. On va voir si on peut téléporter ça. Non, on peut pas. Voilà, ça y est, ils sont détruits. Attrape la cible de contrôle. Viens là. Viens ici, j'ai dit. Elle va trop vite. J'ai anticipé tes mouvements. Je sais où tu vas. Tu ne pourras pas m'avoir cette fois-ci.
Reviens ici! J'ai dit reviens ici! Elle est partie où celle-là encore? Purée. Reviens là, j'ai dit! Arrête-toi! Bon, ok, tu l'as voulu. Je ferai pas de quartier sur ta gueule! Écartez-vous, madame! Ceci est une urgence! Ah, purée! Il a encore trouvé le moyen de s'échapper! Reviens ici, j'ai dit! Voilà, pouh! Ah, je t'ai eu! Get your little ass over here! Got it, Kinsey! Great! At least you have a way to get the Zin off your back now, so keep that in mind. Remember, this is only the beginning. With everything we're going to throw at Zinyak, he won't know what hit him. Yeah! Ah non, heureusement que je l'ai récupéré juste avant. Ok, c'était ça la campagne. Purée, c'est franchement court, hein. Ils sont un peu foutus de ma gueule. Et le petit bonus qui fait toujours du bien. Et aventure textuelle, les chapitres de la vie de Zinyak ont été disséminés dans le support virtuel. Récupère-les pour connaître l'histoire de Zinyak, accède aux entrées collectées à partir de l'ordinateur de la salle des archives du vaisseau. D'accord. Zinyak a placé des statues un peu partout dans le style board virtuel, détruis-les pour gagner du cash et de l'expérience. Ok, c'est un peu comme les poupées gonflables, la drogue et l'argent qu'il fallait récupérer dans le jeu. Dans le 3, donc il y a toujours des trucs à collecter. Je ne sais pas si je les ferai, personnellement. Je pense, largement, c'est faisable. Mais il y a une amélioration pour ça, je crois. Je vais regarder ça vite fait. Dans les améliorations. Normalement, c'est dans activité, non. Non plus. Bonus, ah voilà, c'est là-dedans alors. Aptitude charognard. Non, il n'y a pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Capacité, peut-être. Sprint illimité. Oh. On récupère les frics. C'est chic. Et voilà, déjà 87 000. Ok, ensuite, quête. Jeu de pouvoir, enfreindre la loi, percer. Il y a des tas de matières différentes de perturber la simulation. Jeu de pouvoir et décret présidentiel, rejoins Kinsey sur le vaisseau, élimine les troupes Zin, enfreint les règles de la réalité. Bon, donc on va faire une petite activité en attendant. Vite fait, alors attendez que je trouve. Déjà je vais débloquer le magasin les plus proches, à savoir ceux-là, là, les trois qui sont là. Allez, déjà ça, on y va. Nyon. Oula, il y a un point. C'est marrant ça. Ouh, une boule. Encore une boule qui court. Yeah, je t'ai eu. Haha. Voilà. Non mais oh. Écartez-vous de mon chemin. Et je vous laisserai en paix. Allez, mais oula, 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 c'est quoi ce... Qu'est-ce que c'est que ce bug? Oh, je vole. Je suis encore plus puissant. Je peux voler. Ça s'appelle un gros bug. Du coup, bah, plouf. Oh. Oh non, c'est bugué. Non, je suis bugué. Je suis sous l'eau. On peut pas stopper ça, là? Oh merde! Bon bah, je vais mourir. Je suis sous la carte! Ah non, c'est bon. Oula, 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 oula! Ça avait bien bugué quand même. Je crois que le jeu est pas très stable encore. Ils ont besoin de petites mises à jour. Ça ferait vraiment du bien. C'est surtout la carte qui a pas dû bien charger aussi. Voilà. Allez là, les magasins. On se dépêche. Où
il y a encore une boule qui court. On va l'attraper. Ah, j'ai plus de... Ça remonte pas assez vite. Vous allez en faire les frais parce que... Voilà. Je veux récupérer cette boule. Retourne dans mon pantalon, j'ai dit. Et retourne-y. Non mais oh, reviens là. Voilà, là où est ta place. Quand même. Voilà, du coup, ce magasin, il se trouve là-bas. On est arrivé. Piratage. Réussi. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez, les flics? Laissez-moi tranquille. Bon, on se casse. Du coup, il reste encore celui-là, déjà. Je vais débloquer. On va s'échapper par là. Oh, il y a encore une boule sur la route. Retourne dans mon pantalon! Pour qui tu te prends? Je vais te battre à la course! Nyon! Allez, on se barre! Wouhou! Boum! Voilà. Maintenant, retourne débloquer ce magasin. Allez, go, 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 go! Voilà. Est-ce que c'est compliqué? Ouh, ça se complique, ça se complique. Oh là, non. Là, c'était ça. Là, ça va être compliqué, là. Et voilà. Ouh, ça y est, c'est fait. On a eu chaud, on a eu chaud. Et voilà, on y est, on y est. Piratage. Attention, tu es prêt? Tu vas être sous mon contrôle. Activation. Ok, alors là, il va falloir peut-être faire ça. Et voilà, c'était pas si compliqué. Et là on les enchaîne, là on les enchaîne. Du coup, bah on a quasiment toute la carte au niveau des magasins. Ça c'est cool. Ah, il y a celui-là. Déjà toute cette zone est à nous. Elle a été pacifiée et on va faire cette activité avant de faire KO. Non, on va voir ce que c'est. Vite fait. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. Avant de mourir dans la mer numérique. Oh, c'est quoi ça? Je veux, je veux, je veux. Entrer dans Rift de plateforme. Facile. Ok, on lance pour voir ce que c'est. Ça a l'air sympa. Tu peux aller de plateforme en plateforme en changeant les plateformes rouges en plateforme bleue. Youhou, cool. Un petit peu de plateforme du parcours. Par contre, ça doit être compliqué, hein. On va essayer vite fait dans cet épisode, mais je pense pas que j'y arriverai. Tell me how you can help me find my friends. I know how to navigate the Zim systems and travel between them. OK, bon, c'est facile. Right simulation. I can open a gateway between that one and yours. I know you're not doing this out of the kindness of your heart.
Ok, alors ça s'enchaîne bien. Ah bah... vite. Ok, plateforme accélérateur boost. Ouh. Ouh. Oh, on va un peu loin là. Ah, on va y arriver peut-être. Faire 50 000. Allez, monte. Il reste 40 secondes. Ah putain, là je suis tombé par contre. On va monter par ici. Allez, monte. Ici. I jumped through your hoops. What's next? My access code is 1331. Use it when you find me a suitable form. D'accord, j'ai rien compris du tout à ce qu'il fallait faire en fait. On est arrivé au bout et on a gagné quoi? Argent. Oh. C'est pas évident avec ce nouveau système de rang. Au moins ça offre du challenge, c'est plutôt bien. C'est la première fois que je fais cette activité. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera pour la suite de Saints Row 4 dans d'autres vidéos. Et les gens sont complètement figés, c'est plutôt drôle. Je sais pas ce qui s'est passé. Eh oh, vous êtes vivants? Ah oui, ils sont vivants, okay. D'accord, c'est là qu'ils sont figés, c'est bizarre. Ouh, ils ont une tête... Ouh. C'est cool. Bon allez, on se retrouvera pour d'autres épisodes sur Saints Row 4. A plus tout le monde.